Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga que j'aime beaucoup en ce moment. Reine d'Égypte. Reine d'Égypte, c'est avant tout un seinen historique où l'on nous raconte les péripéties de Hatshepsut, qui est juste ici. Forcée de se marier avec son demi-frère Seti, avec qui elle s'entend comme chien et chat, elle ne peut se résoudre à rester une simple reine. Elle veut devenir elle-même pharaon. Son demi-frère lui fait barrage. Une femme ne peut devenir pharaon. Et Hatshepsut, ne renonçant pas à ses convictions, décide à sa façon de mener un combat dans l'ombre. Ce que j'aime beaucoup justement dans Reine d'Égypte, c'est ce côté de femme un peu Mulan qu'on retrouve. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment un personnage très très attachant à Hatshepsut. Et du coup, bah, je sais pas, moi j'ai vraiment envie de suivre ses aventures, voilà, qu'elle combatte son frère, etc. Parce que il lui en fait baver quand même. Alors, il y a déjà 3 tomes de sortie chez les éditions Ki-Hoon. Moi j'ai le tome 1 et le tome 2. Et d'après vous, le tome 3, quand est-ce que je vais l'avoir? Eh bien, très bientôt. Sur ce, j'espère que cette vidéo bah, vous a plu, mes petits chats, hein. Je vous laisse là et je vous fais de gros bisous. Bye bye!